Salam alaikum Azul, bonsoir. En l'espace d'une petite semaine seulement, plus de 4 millions d'euros ont été saisis par les douaniers. Des transferts illicites de devises effectués par des jeunes passeurs qui travaillent pour le compte de gros pontes, qui cherchent à changer leur fortune en devises, puis à les faire sortir du pays pour les placer dans leur compte bancaire de là-bas. Mais dans la réalité, ces 4 millions d'euros ne sont qu'une infime petite partie des sommes faramineuses qui sortent tous les jours. Et de mille et une façons. Personne n'a encore livré une évaluation qui soit vraiment proche de la réalité. Mais tout le monde sait que ces transferts par porteur, le kaba, comme on dit, ne sont qu'une petite partie de l'hémorragie. Le plus gros et le plus grave des transferts illicites de devises est à chercher dans les surfacturations effectués par les pseudo-capitaines d'industrie et les gros importateurs. Certains experts parlent de pratiques quasi systématiques et évaluent ces transferts via la surfacturation à au moins 10% des dépenses pour des biens et des services, c'est-à-dire environ 100 milliards de dollars pour ces 20 dernières années. 100 milliards de dollars qui sont partis du pays pour aller rejoindre les comptes bancaires de ceux qui sont en train de s'enrichir sur le dos des Algériens. C'est dire que les quelques centaines de millions d'euros saisis ne sont qu'une broutille. Mais derrière ce crime économique qui procède d'une véritable rapine du bien public se profile l'ombre inquiétante d'une panique qui s'installe dans tous les milieux d'argent. Ces nouveaux riches, pour la plupart, qui ont acquis des fortunes considérables parce qu'ils sont dans les plis du système, parce qu'ils ont table dressée, parce qu'ils font partie des clientèles, s'apprêtent tous à plier bagages. Al-harba tsillik. Parce qu'ils sont tous des initiés du sérail, qu'ils sont dans le secret des dieux, qu'ils savent que la situation est réellement explosive, que la colère gronde et qu'une explosion devient presque inéluctable à Dieu ne plaise. Et ils savent que si ça se complique, le taux des devises au marché noir pourrait atteindre des pics que personne n'imagine. Et ils savent aussi que les prix de l'immobilier pourraient très vite s'effondrer aussi à cause d'une offre qui sera démultipliée par la même panique. Et c'est de cela qu'il s'agit en vérité. Une panique insidieuse qui s'installe au sein de milieux qui savent que les retardataires ne trouveront plus de devises. Quand tous les milliardaires en dinars chercheront à faire fuir leur fortune, tous en même temps. Et dans le même temps, c'est bouchée double pour nombreux qui sont dans les appareils de l'État et qui découvrent qu'ils n'ont pas pensé à leurs vieux jours. Bouchée double aussi pour faire de l'argent avant qu'il ne soit trop tard, comme ce commandant de gendarmerie qui a été pris hier avec 150 kilos de drogue dans son véhicule, comme ces magistrats qui pratiquent l'art de la corruption quasiment à ciel ouvert, comme ces imams qui ont été arrêtés récemment pour avoir reçu des milliards de la main d'un certain gros trafiquant de cocaïne, comme tous ces grands serviteurs de l'État, Zama, qui envoient des valises de devises vers leurs bases arrières en Europe en se servant de la valise diplomatique. Aujourd'hui.
Cap Ouest Info. Arrestation d'un commandant de la gendarmerie en possession de 150 kilos de kif par Redouane Boualia. Liberté. 6 millions d'euros ont été saisis dans des tentatives de transfert illicites. Devise la route d'Istanbul par Farid Belgassem. HuffPost. Aéroport d'Alger saisi de 1,45 million d'euros par les douanes, par la rédaction. Transfert illicite de devises, la panique, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, bonjour. Bonjour Jamal Dine, merci pour l'invitation. Merci. Bonjour téléspectateurs. Merci. Au téléphone avec moi, Farhat Aitali, expert financier. Bonjour Farhat Aitali. Bonjour, c'est Jamal. Merci. Abdelwahab Zatri, professeur à l'université de Constantine. Alembik, bonjour Abdelwahab Zatri. Alem si Jamal, merci à vous. Mes salutations à vos invités et aux téléspectateurs. Merci. Saïd Aknin. Voilà, donc la presse parle pour les uns 4 millions d'euros en quelques jours, pour les autres 6 millions d'euros en quelques jours, saisis dans les aéroports et à Bir el-Ater chez des gens qui ne sont pas les propriétaires de cet argent, qui sont les porteurs par valise. Hein, avant, les trabendis, on les appelait les mulets. Mais pour ces gens-là qui transportent les devises, on les appelle les pilotes. Exact. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? D'abord, je salue les téléspectateurs, merci. Je vous réitère mes remerciements. Je suis vraiment honoré de participer à une telle émission en présence de M. Zatri, que j'apprécie énormément, et de M. Farhat Ali, qui ne cesse de nous envoyer des éclairages de génie. Le pays, aujourd'hui, traverse une crise multidimensionnelle. La question qu'il va falloir se poser... Bien que ce mouvement n'a jamais cessé, et ce depuis l'indépendance confisquée, où des milliards et des milliards ont été vilipendés, ont été volés au peuple. Pardon. C'est ce vent de panique, ce sentiment de sauf qui peut, tag à la mantag. Qu'est-ce qui pousse le système et la base sociale du régime, ainsi que le régime, à intensifier ces derniers temps, information très importante, il y a 3 mois de ça, une alarme est donnée par tous les pays européens pour contrôler les vols en provenance de l'Algérie. Faut que vous, les spécialistes en économie savent bien quand il y a une situation d'assèchement de liquidité, il y a bien une alerte qui est donnée par les banques centrales parce qu'il y a disparition de la masse monétaire. Elle y va où? Qu'est-ce qui a construit cet acte de terrorisme économique? Ce qui l'a construit, c'est la mafia de l'import-import. C'est ceux qui se sont déjà enrichis. Et là, vous avez évoqué un chiffre de 100 milliards. 100 qui milliards, est basé... c'est une extrapolation, c'est un expert financier dans un journal... qui a dit, il a donné moins lui, il a dit c'est à peu près 10% des dépenses consacrées à l'importation des biens et services, donc ça fait d'après lui sur 600 milliards, ça ferait 60 milliards. Mais d'autres disent non, c'est beaucoup plus, c'est au moins 100 milliards de dollars. L'histoire de logique, un petit calcul, d'où proviennent ces transferts? Dans la majorité des cas, ils proviennent de la surfacturation. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments qu'il va falloir analyser, d'autres pistes dont il va falloir mener des investigations, mais c'est la surfacturation. La surfacturation, elle peut y aller de 10% à 20% et même parfois à 100%, ce qui fait que la clémence de cet expert, elle est très visible au regard des 1 000 milliards qui ont été dépensés ces derniers ans. Une moyenne de 10% de surfacturation, d'après vous, c'est trop peu? C'est très, très peu. Ouais. C'est très, très peu. Par rapport à la pratique habituelle? Par rapport à cette pratique
que je dirais est égal au mouvement de respiration et d'expiration de ces voyous, de ces malfrats, de ces bandits, de ces terroristes qui font subir au peuple les pires misères et qui mettent en danger la souveraineté du pays et qui mettent en danger l'économie du pays en faisant en sorte à ce qu'on devienne indépendant à 100%, y compris les aiguilles Dépendant, vous voulez dire. Dépendant à 100% de l'importation. Et d'ailleurs, à un certain moment, on parlait de... Ils remplissent un vide. C'est parce qu'on ne produit pas qu'ils importent, ce n'est pas l'inverse. Oui, mais c'est eux qui ont créé le vide. C'est comme les problèmes de sécurité. On crée l'insécurité pour créer un besoin de sécurité. Moi, je dirais que c'est plutôt le régime qui a créé le vide et eux qui sont engouffrés. Et comme ils sont proches du régime, ils ont été les premiers servis. En fait, c'est le système qui a créé le vide. Oui. Le régime, c'est tout ce personnel qui gravit tout autour avec sa base sociale, qui se sert de tous les leviers du pouvoir pour pouvoir justement construire tous ces vides. Un vide culturel, un vide qui ont conduit aujourd'hui à toutes les impasses que vit actuellement pays. Je vais revenir à vous. Nous allons faire un tour de table. Farhat Ait Ali, votre sentiment d'abord sur ces informations qui ont été publiées un peu partout d'arrestation de plusieurs passeurs qui transportaient des sommes relativement importantes, sommes en devises, bien sûr. En disant que comme elles ont coïncidé dans la datation à 2-3 jours, les médias en ont fait un phénomène exceptionnel. Mais il faut se dire que c'est pratiquement annuel, ce genre de phénomène. Le gros des devises qui est vendu au square, ils sont par les aéroports, par les frontières, c'est par les ports. Et comme ça représente globalement entre 6 et 8 milliards de dollars par année, donc forcément 4 millions à 6 millions, ça ne passe rien du tout quand même dans la balance. Le gros des prises annuelles n'a jamais dépassé les 50 millions de dollars, ce qui ne représente pratiquement pas plus de 1%, 2% de la masse qui sort. Là, il faut se dire... Vous avez dit que le gros des saisies ne dépasse pas 50 millions de dollars par an. Hein, par an. C'est déjà énorme, hein, 50 millions de dollars. C'est pas énorme par rapport à ce qui sort. Oui. Parce que tout à l'heure, on avait parlé de surfacturation. On a oublié un autre phénomène, c'est la sous-facturation. Parce que les importateurs, quand ils ont des produits qui sont surtaxés, ils les déclarent comme un montant inférieur à leur valeur réelle. Ils font des compensations avec des produits sous-taxés sur lesquels ils font de la sous-facturation. Un exemple, Farhat Ait Ali, pour que nous puissions comprendre. Par exemple, les effets vestimentaires. Oui. Ils comptent de 15 à 30% de droits de douane et de 19% de TVA. Donc, il y a un taux cumulé de 60% presque. Ce fameux taux cumulé, il est très lourd en termes de droits de douane et de fiscalité intérieure. Alors, qu'ils font les fameux 60% pour les éviter, ils rabaissent la facture du produit, mais en contrepartie, ils importent un produit qui n'a pas de TVA. Un produit qui n'est pas taxé du tout, un produit alimentaire subventionné ou sous-taxé. Et le différentiel de surfacturation, ils le glissent à leur fournisseur étranger sous forme d'enveloppe en devise pour qu'ils puissent tout facturer, pour que la douane ne puisse pas taxer. Mais l'un dans l'autre, Farhat Ait Ali, sous-facturation et surfacturation. Vous évaluez à peu près à quelle hauteur le montant de ces déprédations? Il y avait un défunt ministre, qui parlait pratiquement de 30% du volume. 30% des importations. 30%, pas 10. Qu'il avait déclaré à l'époque. D'accord. Mais donc, moi, j'ai estimé que c'était exagéré. Moi, j'obtenais beaucoup plus entre 10 et 15% du volume global. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec l'économiste Mabtoul qui a déclaré que le montant était d'à peu près 10% de la valeur globale. Disons que ça peut aller jusqu'à 15%. Moi, j'ai opté pour 100 milliards de dollars parce que je calcule sur la base de ce qui peut traîner au square, le change intérieur, sous forme de monnaie fiduciaire,
donc qui doit tourner autour de 6 milliards d'euros, donc 8 milliards de dollars, plus bien sûr ce qui reste là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie des choses qui se fait en extraterritorialité. Les devises ne rentrent pas en Algérie. Oui. Les gens, ils les vendent là-bas, ils se font payer en dinars. Il y a aussi un autre côté qui ne rentre jamais. C'est celui qui a servi à acheter les appartements, les hôtels, enfin, tout ce qu'ils ont placé à l'étranger. Et c'est la base de ces fameuses surfacturations. Et si je vous demandais, Frahat Aitali, d'évaluer à peu près comme ça, à la louche, le montant qui a été transféré illicitement, toutes méthodes confondues, depuis l'accession de Bouteflika au pouvoir, depuis une vingtaine d'années. Je n'aimerais pas parler de l'accession de Bouteflika au pouvoir parce que le phénomène, il l'a précédé. Le phénomène, il est inhérent au système. Il y a toujours eu une interdiction d'accès aux devises aux citoyens lambda. Non, mais pourquoi, donc, pourquoi je dis la période Bouteflika Frahat Aitali? Parce que c'est pendant la période Bouteflika que le baril du pétrole a atteint des pics à peine imaginables et que les rentrées d'argent ont été considérables. Mais moi, quand je parle d'un phénomène, je ne parle pas de montant, je parle du penchant, du système qu'il a pratiquement initié et des raisons qui poussent les gens à s'y inscrire. Donc le fait que depuis l'arrivée de Bouteflika, il y avait assez d'argent pour que le phénomène prenne de l'ampleur, je ne veux pas dire que ça coïncide avec la période. Moi, je me rappelle d'une époque en 95, 96, 97, où la sous-facturation a battu son plein, pratiquement le soir ne se remplissait jamais ni d'acheteurs ni de fournisseurs de francs français de dollars. Et alors qu'on était endetté pratiquement à l'international, mais il y avait 2-3 milliards de dollars qui traînaient là-bas à l'époque pour l'année. Donc ce phénomène-là, il est inhérent au système financier et monétaire algérien. Je l'ai écrit ici en Algérie en disant que la Banque d'Algérie est le principal initiateur de ce phénomène. Je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous expliquer un peu ce que vous voulez dire quand vous dites que la Banque d'Algérie est le principal acteur de ce genre de déviation, j'allais dire. Restez avec nous, Frahat Aitali. Abdelwahab Zaatari, alors votre avis depuis Constantine sur ces transferts illicites, sur cette panique qui s'installe, sur ces milieux d'affaires qui sont en pleine frénésie? Oui, et comme nos invités l'ont déjà dit, nous sommes à une époque de crise grave, de crise économique sans perspective de solutionnement. Et donc, ce sont les rats qui quittent le bateau avec l'ashkara en devise. Ceci pour résumer les choses. Maintenant, les fuites en devise se font de différentes manières. Bien sûr, pour les entreprises privées, elles préfèrent la surfacturation, la sous-facturation et des techniques de fuite via les frontières. Mais les entreprises nationales, les grosses boîtes comme Sonatrach, l'armée, les grosses machines de l'Algérie, les grosses institutions et entreprises, c'est les contrats et les conventions. C'est là où l'illégalité prend lieu. Alors, l'argent, il est directement donné de l'autre côté de la frontière. On ne fait rien passer. C'est dans le contrat qu'on s'accorde pour les pourcentages Chakib Khalil, Ould Kheddour. Tout ce bazar-là ne se gêne pas pour avoir des jockeys et leur faire passer les frontières. Tout passe légalement. Et la quantité qui passe, la plus importante, c'est celle des contrats et des conventions. Et donc, quand on trouve une affaire de Sonatrach, on sait que ça approche déjà les millions et les milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec ces messieurs qu'on coince par délation, par vengeance ou par... Donc, en tout cas... Et les commissions concédées aux partenaires algériens de fournisseurs étrangers en termes d'armement, de gros équipements, des commissions dont tout le monde sait qu'elles sont faramineuses. Est-ce que nous pouvons les mettre dans ce même volet de saignée des devises vers l'étranger?
Puisque oui, c'est, j'imagine que cet argent-là ne rentre pas en Algérie, il s'installe dans les comptes en banque. Il est stocké, il est acquis à l'étranger, il est stocké là-bas, et il n'y a aucun risque d'être pris aux frontières par la douane ou la police des frontières. Il est remis de la main quasiment, quoi. C'est tranquille, et on s'entend ici, la convention, elle est écrite, hein, et tout est entre guillemets, légal, hein. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. D'abord, est-ce qu'il y a un marché important des devises à Constantine et dans tout l'Est algérien, dans les villes de l'Est algérien? Oh oui, il y en a un qui est même très, très florissant. Et il regroupe autour de Constantine trois lieux. Donc, vous avez Ain Mlila, qui s'est spécialisé dans la pièce automobile. Et puis... il y a à côté de l'Elma, qui s'est spécialisé dans l'électroménager, un peu tout. Et puis, il y a un marché, un autre marché de l'habillement. Ces trois marchés, le trafic de devises est énorme, parce que comment on peut le mesurer? On peut le mesurer par ce que possèdent ces gens-là, ces trafiquants. Ils ont des villas superbes, de rêve. Et ils en ont plusieurs. Chacun peut avoir plusieurs villas. Et ils ont, par exemple, Sidi Mabrouk à Constantine. Ils l'ont complètement démoli. C'était de belles villas de l'époque coloniale. Ils les ont démolies et ils ont installé de grosses bâtisses qui vendent tout et n'importe quoi. Donc, nous et même les services de sécurité connaissent qui appartiennent les 3, 4, 5 villas et comment il les a eues. Donc, ils savent que c'est Et comment, justement, Abdoua Zatri, comment expliquez-vous la passivité des pouvoirs publics qui laissent faire ces marchés, pas occultes, ces marchés parallèles, informels de la devise qui se vendent en pleine rue à coût de millions de dollars par jour devant tout le monde sans être inquiété? Comment expliquez-vous cette passivité? Oui, c'est un accord tacite avec les banques, avec les pouvoirs publics. Même les policiers, les officiers, ils le savent, ils connaissent ceux qui les revendeurs et ils peuvent eux-mêmes acheter à des prix peut-être spéciaux dans ces lieux-là, y compris des ministres, des enfants de gros bonnets, tout ça. Donc, c'est toléré. Et le problème le plus grave, c'est que c'est un frein pour le développement de l'économie. Et ces gens se sont constitués en frein contre toute tentative de construire une économie productive. Donc, en économie, aujourd'hui, on traite un chapitre spécial, c'est l'économie souterraine. C'est l'économie souterraine qui n'est soumise à aucune règle, qui est débridée et qui sape l'économie officielle. Donc, en Algérie, la gravité de cette économie souterraine, qui est un chapitre en économie particulier pour les pays en voie de développement et pour les pays et qui touche les pays donc en voie de développement et les pays à économie plus ou moins dirigée. Donc, c'est très, très grave. Le cas de l'Algérie est pénible parce que ce sont les plus hautes instances de l'État qui supervisent ce trafic et qui en tirent des bénéfices. Donc ce n'est pas moi ou vous qui allez vous enrichir en achetant. Ce sont eux qui font les contrats, ce sont eux qui donnent les autorisations pour l'importation. Donc tout est contrôlé en fin de compte. À la tête, vous avez un général, vous avez un ministre, vous avez un type du genre Haddad and Co. qui ont énormément d'argent. Et vous avez ensuite, ils achètent des commissaires, des douaniers, ils achètent de la police, quelques officiers de la police des frontières. Et ça va très bien depuis de nombreuses années. En fait, depuis les années 80, où ce phénomène s'est amplifié. Restez avec nous, Abdelwahab Zatri. Saïd Aknin, il y a quelques années, ici en France, on avait entendu parler de la fille d'un ex-chef du gouvernement. Je ne cite pas son nom puisque nous n'avons pas de preuves, ça reste une rumeur. Où on nous avait appris que la police avait pris cette fille avec une valise où il y avait à peu près 1 million d'euros qu'elle avait ramené normalement, qu'elle avait passé en toute complicité peut-être des deux côtés de la frontière. D'autres parlent aussi de transfert de ce genre d'argent sale via la valise diplomatique. Vous pensez que c'est vrai ces histoires ? C'est plus que vrai.
Seulement, cette pratique a intégré dans l'ADN du système. Qu'est-ce qui aurait motivé au jour d'aujourd'hui un élément à intégrer le régime, si ce n'est pas la corruption, la rapine, l'enrichissement rapide et la dilapidation des richesses du pays. Quand on entend certaines déclarations de ministres, quand on voit leurs actions, quand on suit leurs déplacements, quand on voit aujourd'hui l'état du pays et la situation du peuple algérien, à quoi ils ont passé leur temps dans les affaires du pays, si ce n'est à s'accaparer des circuits informels de la rente, dont justement la construction de la dépendance, la construction et l'alimentation, l'entretien de l'informel. Il y paraît, il y a même des importateurs qui ont des bras longs, qui n'ont même pas payé les frais de douane. Il y a même des, entre guillemets, des importateurs, des entrepreneurs. On connaît même le cas de gens qui ont apporté des conteneurs de cailloux, des conteneurs de caillasses. Alors là, le fictif. Oui. On rentre dans une situation inimaginable, allant jusqu'à quand on parle avec des amis qui sont dans la société civile et qui sont dans des... comme le Forum international de lutte contre la corruption, Transparency International, on leur explique un certain nombre de choses, mais ils tombent des nues, bien qu'ils savent que ça existe de par le monde et l'Algérie qui... vous savez, il y a une statistique de 2015-2016. Il y avait 180 milliards qui ont transité par une banque à Genève. Et 10% de montant de cette transaction qui est de l'ordre de 180 milliards de dollars. En une seule transaction ? Non, c'est-à-dire pendant une année. Il y a eu un certain nombre de transactions qui ont été faites via cette banque. Une seule banque. D'accord. Pour un montant de 180 milliards de dollars. Mmh. Et 10% de ces transactions ont été faites par des Algériens. En combien de temps c'est... Une année. En une année ? En une année. Je ne pense pas que ce soit plausible. En une année, vers une seule banque, dans un seul pays, en une seule année. Mais enfin, allez-y. C'est-à-dire, y compris nous militants, parfois on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est tellement énorme, l'ampleur est tellement immense, qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'à ce jour où, effectivement, il y a eu cette histoire de cocaïne. L'histoire de cocaïne a réveillé des consciences dans le sens de quoi ils sont capables. Et je pense qu'aujourd'hui, à certains niveaux, il y a une interaction entre le transfert de devises et cette histoire de cocaïne. Quand on retrouve dans le domicile d'un importateur, d'un industriel, un montant de 500 milliards de centimes et de 100 millions d'euros en espèces, c'est un État dans un État. Ça ne devrait jamais exister. Et ça, ça donne la possibilité, justement, de rendre le chimérique, le fictif, ce dont on ne peut pas rêver réel. Ça, c'est une réalité. Et pourquoi je dis qu'il y a une interaction entre la panique dont s'est emparée aujourd'hui une certaine partie de la base sociale du régime. Et là, je donne une autre information. Il y a certains, même parmi eux, qui ont inscrit leurs enfants dans des écoles européennes. Ça fait longtemps. Non, mais pour voir l'ampleur de la panique. C'est récent, c'est pour la rentrée scolaire. C'est pour cette rentrée scolaire, l'ampleur de la peur et de la panique. Est-ce qu'il y est parce que eux, ils ne sont pas non plus bêtes. Ils ont des éléments d'analyse. Et ils savent qu'à tout moment, il y a risque d'implosion. À tout moment, il y a un grand risque de les voir traités comme les banalis et consorts. Et c'est cette situation dont ils ont peur. Comme les Kadhafi, plutôt. Benali, il a pu se sauver. Kadhafi aussi. Mais bon, Kadhafi, il y a à boire et à manger. Nous parlons du lynchage, pas des affaires en elles-mêmes.
espérons que Sarkozy aura à répondre un jour devant les juridictions par rapport à cette histoire. Mais seulement, pourquoi je dis qu'il y a une liaison entre l'affaire de la drogue et cette panique? Parce que la DEA, qui est Drug Enforcement Agency, qui est une agence de lutte contre la drogue dans le monde, qui est une agence américaine, qui est une institution qui travaille à la fois avec les services secrets et avec la justice. Il y a trois paramètres pour qu'elle puisse intervenir dans tout le globe terrestre. Ces trois paramètres, c'est quoi? Utilisation du territoire américain comme transit. Le deuxième élément, utilisation du dollar comme moyen de transaction. Le troisième élément, utilisation de la drogue à des fins de subversion, c'est-à-dire de terrorisme. Je pense que la deuxième condition est remplie. Et cette condition, c'est l'utilisation du dollar parce que cette cargaison a été payée par le dollar. Et à partir du moment qu'elle est payée par le dollar, il peut y avoir... Comment ils ont pu le savoir? Ils n'étaient pas avec les gens qui ont passé la transaction. Oui, mais il y a la filature. Il y a la filature, ils font des prélèvements et eux, ils utilisent ce qu'on appelle la stratégie de l'assèchement. C'est-à-dire, ils vont identifier, ils font un travail en amont pour identifier le laboratoire, identifier les façons de paiement, ainsi de suite. C'est tout un circuit, ils sont professionnels là-dessus pour pouvoir arriver jusqu'au numéro de compte, jusqu'au moyen de paiement. Et dans l'Amérique latine, on ne paye pas en euros, on paye en dollars. La transaction a été payée en dollars. Par conséquent, cette agence... comme ils se sont déplacés déjà en Algérie, il y a tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire, ils peuvent éventuellement être inquiétés par cette agence. Maintenant, quant à, à l'ampleur du transfert, moi je dirais au bas mot 200 milliards de dollars. Au bas mot, c'est 200 milliards de dollars et ça, ce n'est pas un simple calcul logique. Un simple calcul logique. Ça veut dire sur toute la période des 20 ans, là, de... Sur toute la période des 1 000 milliards de dollars. De 1 000 milliards de dollars qui ont plus servi à la base sociale du régime, qui ont plus servi à financer la grande mosquée pour éradiquer la maladie, pour qu'on puisse prier pour éradiquer le choléra, qui ont plus servi à une autorité Est-Ouest qui a coûté le quadruple de son montant initial, qui a plus servi à justement... Bien plus que le quadruple hein, de son montant initial, bien plus. Exactement. À d'autres projets, dont la dilapidation à flagrant délit. Et là, si réellement, je fais une imbrication avec un autre sujet, juste une petite parenthèse, si réellement les limogeages d'aujourd'hui, c'était pour l'amour de la patrie, c'était pour l'intérêt suprême du peuple, et qu'il s'intéresse à ces dossiers de dilapidation des biens du peuple, qu'il s'intéresse à ces contrats qui ont été signés avec des commissions qui ont été dans des comptes offshore, qui s'intéressent justement, il y avait le scandale du Panama Papers. Il y avait des Algériens qui ont été cités. Est-ce qu'il y avait des poursuites? Est-ce qu'il y avait eu une commission d'enquête? Est-ce que le Parlement moribond, ce Sénat... Mais tous ces gens qui procèdent à la surfacturation, à la sous-facturation, généralement, c'est des clients du régime. Ils appartiennent à la base sociale. C'est parfois des prêtres, non? Des barons du régime. Exactement. Ils appartiennent tous à la base sociale du régime. Oui. Quand tu n'es pas à la base sociale du régime, c'est que tu y es un petit... on peut exercer sur toi les rigueurs de la République. C'est ce qu'a dit d'ailleurs l'avocat, non pas pour le défendre, parce que là-dessus, on ne défend jamais l'indéfendable. C'est ce qu'a dit l'avocat du Kamel Boucher sur lui. Il a dit c'est un homme de main. Ça veut dire que ça suppose qu'il y a des gens derrière. Déclaration de son... Et en plus, c'est son avocat. Donc c'est... Déclaration de son avocat. Frata Itali, vous nous parliez tout à l'heure de raison de la Banque centrale. Vous pouviez nous expliquer un peu? Écoutez, nous avons un système que nous avons à l'époque de l'époque soviétique. De l'époque où nous n'avions pas tellement besoin de devises pour le citoyen du moins ordinaire. L'État à l'époque, il fournissait l'intégralité des besoins de la société. Les immigrés, pratiquement, ils utilisaient leurs devises en Europe ou bien quand ils rentraient, ils échangeaient en banque. Normalement, avec le passage d'un système capitaliste, entre guillemets, on aurait dû libéraliser aussi le change, permettre aussi aux citoyens, comme dans tous les pays voisins,
d'avoir accès à la devise d'échange directe à des montants qui leur permettent justement de se passer de cette fameuse place du square, on a dit, qui vont au square à peu près tout en Algérie. La Banque d'Algérie a maintenu le même principe qui oblige pratiquement 100% des Algériens pour tous les besoins en devise hors transferts commerciaux à se présenter à ces places interdites officiellement en vertu de la loi et informelles, du moins aux yeux de l'État, mais dans la pratique, ça se passe devant le pôle économique. Et ça se passe aussi devant la Banque d'Algérie. Donc quelqu'un qui maintient un système qui oblige tous les Algériens à aller se fournir en devise dans un endroit donné. Il sait pertinemment que cet endroit est fourni en devise par cette fameuse surfacturation qui n'est accessible qu'à une couche précise de gens qui ne sont pas poursuivis pour des surfacturations cycliques pendant des années. Même que des fois, on poursuit ceux qui le font de la concurrence dans la même combine, quand ils ne sont pas inscrits dans les bonnes tablettes. Ça veut dire quoi? Vous fournissez des clients obligés à des fournisseurs improvisés et agréés par vous dans un marché qui n'est pas censé exister. Donc vous êtes responsable de l'amont et de l'aval de cette combine. Vous ne pouvez pas vous laver les mains. Nous présentons à chaque fois des phénomènes informels, des phénomènes industriels comme étant des sortes d'aliens qui débarquent d'une autre planète, qui attaquent ce fameux paradis géré par des anges. Mais on ne veut jamais remonter à la source du problème, ni même à la réforme qui pourrait éliminer le problème. On ne veut pas justement réformer le système parce qu'on est le système. Donc cet informel-là n'est pas là par la grâce du diable du Saint-Esprit. Il est là par la grâce de la Banque d'Algérie. Et qui dit Banque d'Algérie, dit ministère des Finances, dit les autorités qui gouvernent ce pays. Et ça depuis 50 ans, pas seulement depuis 20 ans. Et le système kafkaïen, oui, qui a transformé tous les Algériens en délinquants pour cacher ses propres délinquants. Mais voilà, est-ce que la planche à billets a un effet ou un autre sur le taux de change informel? Dans l'immédiat, non. Parce que tous les dirhams qui ont été émis, ils ont été disséminés dans la société, mais leurs effets cataclysmiques ne vont pas s'afficher dans les 6 mois ou même l'année à venir. Pour attendre d'ici la fin 2019 que la masse se cumule et que le fameux barrage artificiel que le gouvernement a fait s'ébrèche. Mais à partir de là, ça va être cataclysmique sur la valeur de l'euro. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau de la sphère informelle. Mais il se trouve que les gens, ils anticipent ce genre de catastrophe. Donc ils créent eux-mêmes un effet de panique. Que si les gens sentent que le dinar va plonger, ils vont tous courir au square et ils vont le faire plonger un peu plus rapidement que prévu. Un éventuel changement de monnaie, est-ce qu'il pourrait avoir un quelconque effet, représenter une quelconque parade à toute cette bérésina? Pratiquement, ça représentera une sorte d'épongeage de type comme on est vu du ciel. Mais ça ne représentera pas grand-chose en ce qui concerne l'informel. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont versés dans l'informel, ils détiennent du foncier ici à l'étranger. Ils détiennent ce fameux jeu, justement. Donc même si vous récupérez les dinars qui prennent en circulation, et là, vous ne pouvez pas les saisir tous, vous ne pouvez que les fiscaliser. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous leur donnez les nouveaux dinars, si vous maintenez le même système, avec les mêmes défaillances, avec les mêmes restrictions sur les circulations de montants appartenant aux gens, par exemple, vous vous retrouvez avec le même phénomène au bout de 2-3 années. Le problème, il est structurel, il est dans la mentalité qui gère le système financier algérien. Il n'est pas dans l'existence d'une masse monétaire donnée chez des gens précis. Cette masse n'est pas arrivée chez eux par la grâce du Saint-Esprit, ce n'est pas un hasard. Elle est arrivée chez eux parce que le système a été conçu de manière à ce qu'elle finisse chez eux. Et rien ne garantit que notre masse ne finira pas chez eux. Là, il va falloir des réformes structurelles qui commencent déjà par une libéralisation des changes, une valeur du dinar qui soit plus conforme à sa réalité commerciale et non pas subventionnée pour les uns et surestimée pour les autres, un accès à la devise
qui soit plus ou moins égalitaire entre tous les citoyens de ce pays, un contrôle aux frontières qui ne passe pas à la tête du client, une limitation des prérogatives de l'administration pour décider de qui doit payer, qui ne doit pas payer, qui doit être contrôlé, qui ne doit pas être contrôlé, et surtout un renforcement du système judiciaire en matière de qualification, de compétences, en matière de liberté, et aussi en matière de, je dirais, d'intégrité aussi. Il faudrait qu'il y ait plus soutien au droit, mais pas à mon penchant personnel. Alors, je vais poser une série de petites questions. Je vous demanderai des réponses assez brèves pour que nous puissions avoir un maximum de réponses. D'abord, comment se décide et par qui vraiment la valeur du taux de change officiel ? Enfin, la valeur du taux de change officiel ne se décide pas politiquement. Il y a quand même un volet technique dans cette opération. Parce qu'ils ont une certaine masse monétaire ordinale qui circule, qui ne peut pas être épongée, elle est adossée à une certaine masse en devises. Et justement, les fameuses réserves de change, les réserves d'or, plus aussi la production interne, qui peut être assurée par les produits à l'intérieur du pays en transaction interne, en dinars. Donc, en addition tout ça, on le met face aux dinars disponibles. Si nous avons plus de dinars de disponibilité, forcément le dinar plonge. Si nous avons moins de dinars que de disponibilité, normalement, il grimpe. Mais qu'est-ce qui s'est passé au début de l'année, des années 2003-2004? Il y a des petits malins qui, au lieu de réévaluer le dinar à la hausse, ils l'ont encore dévalué pour créer beaucoup de dinars avec l'arrivée des dollars et pour en détourner une bonne partie vers leur poche pour en faire des revenus assez conséquents pour des couches précises de la société et maintenir les autres en bas en leur faisant croire qu'ils les ont augmentés. Et ils les ont augmentés avec des dinars qu'ils ont eux-mêmes dévalués. Alors que normalement, quand le pétrole grimpe, le dinar grimpe avec. Mais moi, j'ai constaté que depuis 2000, le pétrole grimpe, le dinar plonge. Mais il y a beaucoup trop de dinars en circulation. Et beaucoup ont créé beaucoup trop de dinars au lieu de les réévaluer. Alors, pour pouvoir assez de liquidité pour en détourner une partie. Alors, vous disiez à un instant que le changement de monnaie n'est pas une panacée en soi. Mais si nous lui associons d'autres mesures, telles que, par exemple, le principe « d'où tiens-tu cela ?» pour contraindre les gens à justifier la provenance de leurs ressources et d'asseoir une véritable politique de l'impôt, une politique rigoureuse, est-ce que l'association de telles structures pourraient changer quelque chose à la situation? Chaque fois que le système s'est retrouvé en faillite, et justement, il s'est rabattu sur cette logique de Canada. Il s'est servi pour piquer l'argent de ceux, justement, qui n'avaient pas volé, et le rajouter à ceux qui avaient volé. Parce qu'on ne peut pas poser ces questions à 42 millions d'Algériens qui ont été maintenus pendant 30 ou 40 ans dans la délinquance économique. Même celui qui a vendu sa maison... Est-ce à dire que nous allons continuer ad vitam aeternam à ne jamais justifier nos ressources comme ça se fait dans tous les pays du monde? Un meilleur moyen. Moi, j'ai proposé un meilleur moyen. Lequel? C'est de diviser encore la valeur du dinar par 2 ou 2,5 et d'augmenter les revenus les plus bas et les revenus moyens en maintenant les revenus les plus hauts là où ils sont. Rééquilibrer les grilles de salaire et une grille de revenus dans le pays en utilisant la masse de dinars qui sera générée par cette dévaluation. Mais après, quand je divise la valeur du dinar par 2,5, même si je ne vous taxe pas, les dinars que vous avez, je vous en ai retiré 70% sans vous consulter. C'est une forme de fiscalité, la dévaluation. Mais vous avez 18 000 dinars, vous avez 7 000. Mais avec les 6 millions, je vais jouer là. Comme ça, au lieu d'avoir 6 000 dollars, il va avoir 2 000 dollars. Il y a moyen de réguler tout ça. On peut faire une opération intégrée et globale. Au lieu de récupérer les dinars, c'est de récupérer leur contre-valeur réelle au profit des couches qui ont été déjà défavorisées. Mais de là à courir après les gens, entre les monts et les vallées, et confier ça à un gouvernement
et à des fonctionnaires qui sont eux-mêmes responsables, justement, de tout ce qui s'est passé contre des faillants, ça va être une catastrophe. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Frate Itali. Abdouhab Zaatari, on parle beaucoup de cette filière Turquie-Dubaï, de cible, de destination pour ces transferts illicites de devises, particulièrement de la part de barons du régime. Pourquoi ? Pourquoi ces deux régions ? Oui, ces deux régions en particulier, ce sont des pays où eux-mêmes qui sont bâtis sur des régimes pratiquement royaumes. Et comme la Turquie, c'est un pays de business, ce n'est pas vraiment un pays de production, vraiment productif, c'est un pays de business, donc tourisme, petites fabriques, il est très dynamique dans ce sens. Dubaï est... C'est un pays qui a une industrie automobile, une industrie militaire, une industrie avionique. Je ne pense pas que nous puissions dire que c'est un petit pays qu'on bras d'or qui fait dans les petits business. Ils font des voitures, ils font un certain nombre de produits, bien sûr, de haute technologie, mais ils n'ont pas atteint le degré pour avoir une compétence et entrer en compétition. Oui, mais pourquoi en France, pourquoi les barons du régime exfiltrent leur argent vers ces destinations ? Est-ce pour les planquer là-bas ? Est-ce pour investir ? Est-ce que ce sont des plaques tournantes de blanchiment ? C'est exactement cela. Ce sont des plaques tournantes de blanchissement qui permettent un mouvement de ces devises et aussi l'achat de produits importés. Par exemple, aujourd'hui, des personnes qui veulent acheter des produits ou importer ou faire du business en Chine, à Dubaï, en Turquie, il y a des personnes ici, des banques virtuelles qui semblent virtuelles mais qui sont réelles. Vous allez... Vous entrez en contact, vous leur donnez la part en dinars et vous allez prendre automatiquement la part en devise là-bas. Ça peut se faire même en France. Donc, c'est des zones de transfert de devises. Par exemple, si vous voulez importer de Chine, vous pouvez prendre votre argent à Dubaï. Vous pouvez aussi prendre votre argent en Turquie. Donc, ce sont des zones de transfert de devises, des zones intermédiaires en fait. Donc, on n'importe pas énormément de Turquie, on n'importe rien pratiquement de Dubaï, mais c'est des zones de transfert vers beaucoup de pays, vers l'Asie, l'Indonésie, la Malaisie pour le bois, l'achat du bois, des meubles, et la Chine pour l'industrie de la Chine, on importe beaucoup d'éléments. Donc, ce sont des zones, elles sont libres. C'est comme la Suisse, il y a un certain moment, il fut une époque où on pouvait placer son argent dans une banque et on était tranquille. Personne ne peut jeter un coup d'œil sur ce que vous avez. Restez avec nous, Abdelhab Zaatari, jusqu'à la fin de l'émission. Saïd Aknin, avant de vous donner la parole, tout à l'heure, quelqu'un m'a écrit sur Facebook, il m'a dit « c'est vraiment triste parce que les étudiants qui font leurs études à l'étranger, dans un cadre organisé, officiel, ils n'ont que 700 euros par an de transfert. » De possibilités de transfert. C'est incroyable. Ce qui est très dérisoire. Pendant que de gros requins exfiltrent des milliards de dollars, c'est incroyable. Exactement, ce qui est très dérisoire quand on vient faire ses études ici. Mais la question qui se pose, nous avons fréquenté les facs et nous avons vu des enfants de ces barons faire les mêmes études sans pour autant travailler. Oui. Nous avons travaillé à la sueur de nos fronts et nous avons fait nos études. Par contre, eux, comment qu'ils ont pu vivre ? C'est justement l'un des éléments de ces transferts de capitaux. Les transferts de capitaux, qu'est-ce qu'ils en font avec aujourd'hui ? Au-delà de l'immobilier, au-delà des placements dans des paradis fiscaux, dans des comptes offshore. Et pour la question, en effet, il y a deux pays qui sont cités, à savoir Dubaï et la Turquie. N'oublions pas l'Espagne. D'ailleurs, nous souhaitons à ce qu'il y ait... L'Espagne, c'est connu, c'est pour l'immobilier. Exactement. Répertorie les biens de tous les Algériens en Espagne. Et il y a des villes, Benidorm, Malaga, Costa Brava, c'est des villes aujourd'hui où des barons du régime, ils ont jusqu'à 20 à 30 immeubles vacants.
Les hôtels de luxe, des 5 des étoiles, hôtels. C'est connu. Hein, des... Et les gens qui ont de l'argent là-bas, on les connaît. Ça, justement, c'est un élément. Moi, je ne suis pas partisan de l'économie libéralo-libéraliste. Elle est incompatible avec la nature de la société algérienne. En effet, le changement de monnaie peut éventuellement opter pour un certain nombre de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que demande le peuple, le petit peuple, celui qui vit avec la sueur de son front, celui qui se réveille le matin pour travailler jusqu'au soir et même vendre ses congés pour pouvoir vivre et même ne pas avoir des week-ends. Le retraité qui touche une misère, l'handicapé qui touche 4000 dinars. Regardez, qu'est-ce qu'ils demandent ces gens-là? Oui, en effet. D'où est venu ce que... Non pas pour parcourir des monts, des vallées, des montagnes, des ceci et des cela. Nous savons qu'il y a des walis, nous savons qu'il y a des ministres, nous savons qu'il y a des généraux, nous savons qu'il y a des commandants, des colonels, il y a des responsables de douane qui se sont enrichis. Certains parmi eux se sont enrichis. Ces gens-là doivent donner d'où leur vient cet argent. Après, par la suite, le problème est politique avant qu'il soit économique. Mais le problème est politique. Ils sont trop nombreux, ça aide. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils sont trop nombreux. Les gens qui ont dilapidé l'argent, qui ont volé, qui ont... Ils se comptent par dizaines, peut-être par centaines de milliers. Allez, je vous conseille... On ne va pas tous les mettre en prison. Allez, je vous conseille 1 million. OK. 1 million de dollars. Allez, je vous concède 1 million. Ouais, ouais. Est-ce que ce million, on ne peut pas, justement, avoir des institutions légitimes par le peuple, portées par le peuple, par les richesses populaires, et demander des comptes à ces gens-là? D'où est venue cette vie-là? D'où tu en as... En l'état où nous sommes aujourd'hui, Saïd, c'est infaisable, mais c'est pas praticable. Pourquoi que c'est infaisable? L'espoir est comme une herbe. Ils nous ont atomisés, on n'existe plus. L'espoir est comme une herbe, elle pousse même entre les tombes. Il faut juste une petite volonté. Moi, j'ai sillonné l'Algérie. J'ai sillonné des wilayas, j'ai sillonné des communes. J'ai vu des gens de ces richesses populaires. J'ai vu de ceux qui travaillent avec la sueur de leur franc. Vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, vous savez, ils ont transformé l'Algérie en poubelle de la finance. Ils ont transformé l'Algérie en poubelle de l'industrie. Ils ont transformé l'Algérie en poubelle des déchets pharmaceutiques. Ils vont être dans la poubelle de l'histoire, ces barons du régime. Merci Saïd Aknin, merci Farhat Aitali. Merci Abdelwahab Zaatri, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.